nom du Seigneur soit béni. Partout où tu te trouves en ce moment, où que tu sois, j'aimerais que tu puisses élever encore la voix et dire Alléluia au Seigneur. Lorsque nous disons Alléluia, nous disons que l'Éternel soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais encore vous inviter à prendre ce moment pour adorer le Seigneur, pour élever le nom de Jésus, pour prier le Seigneur, pour dire à Dieu combien il est merveilleux, pour dire à Dieu combien il est indispensable pour nous. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Tout celui qui vit sans Jésus, en réalité, il ne vit pas, mais il est mort. C'est juste un cadavre qui ne fait que marcher. Mais nous qui avons Jésus, nous avons la vie. Et pas une vie qui s'arrête ici. Et pas une vie qu'on peut compter, mais une vie éternelle. Alléluia. C'est juste un cadavre qui ne fait que marcher. Mais nous qui avons Jésus, nous avons la vie. Et pas une vie qui s'arrête ici. Et pas une vie qu'on peut compter, mais une vie éternelle. Alléluia. Amen, une vie éternelle. Et ça, c'est tellement bien dit. Je me demande souvent si les chrétiens ont oublié ce côté de leur marche chrétienne, la vie éternelle. On vit comme si, après cette vie-là, il n'y a pas de vie. Mais c'est tellement bien fait et c'est tellement bien dit de la part d'Alice que la fin de toute cette vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Alice, merci d'avoir rappelé au monde chrétien ce concept, ce fondement de notre foi, la vie éternelle. La vie éternelle. Dans les années, dans plusieurs années auparavant, le concept même de l'évangélisation, c'était fondé sur la vie éternelle. Mais maintenant, de nos jours, ces deux mots-là sont rarement dits dans nos églises. La vie éternelle, c'est ce que Jésus-Christ a payé pour nous, afin que nous soyons sauvés. J'ai été fortifié par cette révélation. Ce n'est pas une révélation, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est un fait chrétien, c'est le fondement même de notre foi chrétienne. Alice, vraiment merci d'avoir exposé cela, d'avoir rappelé cela au monde chrétien. Alléluia. J'aimerais que tu puisses encore répandre ton cœur devant le Seigneur. Tu nous as créés pour l'adorer. C'est vrai, l'adorer, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement dire des paroles, mais c'est s'offrir, donner son cœur, se répandre devant l'Éternel et dire, Seigneur, tout ce que je suis, élève ton seul et saint nom, Jésus. Jésus, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Je dirais même qu'avant le commencement, il est Dieu. Je ne veux pas dire il était Dieu parce qu'il n'a pas cessé de l'être. Je dis avant le commencement, il est Dieu. Et après la fin de temps, il est toujours notre Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites l'honneur, Jésus. Voilà, You are Alpha et Omega, c'est un chant d'origine zimbabwéenne qui a été révélé au monde entier par Israel Houghton de Lakewood Church et qu'il a fait révéler au monde entier. Et voilà, donc c'est une chanson bien africaine. We
J'aimerais que tu le dises avec moi. Tu es l'alpha et l'oméga. Et oméga. Dans ma vie, dans mes entreprises, il n'y a que toi qui es l'alpha et l'oméga. Et pourquoi je t'adore encore en ce moment. J'aimerais que peu importe où tu es, que tu puisses encore dire à Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Reconnaître que tout ce que tu fais, c'est parce que l'Éternel l'a permis. Tout ce que tu es, c'est parce que l'Éternel en a été l'alpha. Et rassure-toi, il sera toujours oméga. Tu es alpha. Oui, ma première remarque au niveau des chœurs, c'est un peu trop faible. Je ne sais pas si c'est le côté micro, mais vraiment c'est un peu trop faible. Voilà, donc la prochaine prestation que je vais commenter, c'est la dernière chanson Anaweza et Jéhovah. Et voilà, donc on va rester accroché pour suivre la prestation suivie du ballet avec ses frères et sœurs du groupe Majabou. Voilà, on continue. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions danser pour le Seigneur. J'aime bien le pasteur Lotte qui dit que l'adoration, c'est aussi le mouvement du corps. Alléluia. Ha. Bon, moi, je ne sais pas danser, hein, mais j'aimerais que, avec la force que Dieu nous a donnée, que nous puissions quand même danser pour lui. Il le mérite. Amen. En fait, David, lui, il a dansé jusqu'à ce que il n'avait plus de vêtements sur lui. En ce jour, j'aimerais que tu puisses danser pour le Seigneur. Et que tu dises, Seigneur, tu es capable. Je sais que tu pourrais avoir un problème, mais j'aimerais qu'au lieu de te lamenter, que tu dises, Seigneur, non, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Cette même phrase revient. Tu es capable, Seigneur. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Car je sais que le Seigneur est capable. Alléluia. Voilà, donc comme je l'ai dit en introduction, voilà, Alice est restée vraiment dans un registre vraiment un peu bas et ça se voit même sur cette chanson là où si je devais pas la coucher, mais si je devais donner un conseil et si j'étais présent lors de répétition, j'allais lui dire de monter un peu la gamme parce que c'était un peu trop bas et ça fait que bon, on n'a pas sorti vraiment ses cordes vocales. Donc, mais sinon, très belle prestation, continue. Voilà. Voilà, donc, et vous voyez comment, pourquoi j'ai donné cette idée, voilà. Et vous voyez pourquoi j'ai fait cette remarque, parce que là, le registre était trop bas. Donc, il fallait qu'elle montasse, en bon français, il fallait qu'elle montasse dans un autre registre encore plus élevé. Et voilà, continue. Anaweza, 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 Jehovah, Anaweza, Yesu, Anaweza. Anaweza, Jehovah, Anaweza, Baba, Anaweza.
cette chanson dans une autre gamme un peu plus élevée aurait été tellement belle. Ouh. Bon, mais on respecte le choix de sa gamme. Voilà, et encore, ça confirme ce que je dis, les chœurs vraiment n'ont pas vraiment été soutenus ou n'ont pas soutenu. Et ça dépend, ce n'est pas de leur faute. Lorsque la chanson est dans une registre basse ou dans un registre bas, les chœurs qui accompagnent le chant ou la chanteuse sont obligés de rester dans la même gamme. Parce que, et on sent qu'ici, tout le monde était emprisonné dans cette gamme-là. D'ailleurs, très basse.
Voilà, on voit les autres frères qui viennent la soutenir dans cette chorégraphie qui est d'ailleurs très, 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 très merveilleuse. Très belle chorégraphie du groupe. Voilà, vous avez remarqué les pas de danse de Princesse et d'Alain. On sent qu'ils ont ça dans le sang. Olivier Ballot là, t'en sais pas. La danse dans les Mukendi. Voilà, donc c'était Francis Conan dans une vidéo réaction sur la prestation d'Alice Mousseveli. Voilà, et la dernière prestation était vraiment une chorégraphie du groupe. Tout le monde est venu la soutenir. Et vraiment, ils ont relevé, ils ont encouragé leur sœur, vraiment tant bien que mal. C'était une très belle prestation avec deux pas de danse très bien agencés. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas encore à aller sur ma page Francis Conan African Gospel Vidéo Réaction, Papa Conan pour les intimes. Et voilà, et n'hésitez pas à partager et à donner vos réactions et aussi à soutenir la page en cliquant sur le site du cœur avec le dollar pour donnez tout mon temps que vous voulez pour pouvoir soutenir cette œuvre. Encore une fois, c'était Francis Conan et je vais, comme tous les jours ou comme toutes les fois, comme toujours, je rebisse la partie qui, pour moi, a rehaussé cette prestation d'Alice. Voilà.